Monsieur. Réveille-toi. Réveille-toi. C'est qui? You know you can be prosecuted for that. Je viens de voir de l'écran dans ton téléphone, tu converses avec elle. Tu me réveilles un peu les ça. C'est qui? Je n'ai pas si ma petite soeur. Ta petite soeur, Romano. Et puis je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est aujourd'hui là. Elle a enlevé du voyage. Il y a quelques jours. Tu m'as fait. Je viens de me dire dans le bleu. Tu te fous de moi. Je n'ai jamais entendu parler d'elle. C'est aujourd'hui là seulement que je découvre que tu as une petite soeur nom de Rebecca. Romano, tu dors non? Tu es en train de dormir non? Ok. Ça va se savoir. Les gars, moi je disais les gars, calme. En vérité, si on augmentait le prix de préservatif, si on augmente le prix de préservatif, il y a des gars qui vont plus tromper les gars. Tu ne connais pas la détermination d'un homme. Un homme déterminé, même si c'est 15 000 préservatifs. Ah, maman, arrête. 15 000. Toi, tu ne connais pas. C'est madame qui m'a réveillé, désolé. Oh, mais toi, tu sors d'où comme ça, mon frère? Toi, tu les joues avec ta femme là, les problèmes. Mais c'est compliqué avec ta femme là. C'est comme ça que tu tentes de dire. Si on augmente le prix des préservatifs, ça va arrêter. Rebecca, c'est. Même juste ici. On parle de ça. Arrête ça. Tu es venu dans quel sujet qui peut avancer le pays?